Fazonat, j'espère que vous allez bien depuis tant de temps que l'on ne s'est pas vu. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la troisième ouverture. Troisième ouverture des cute Titos. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont sucrés, super sucrés, hyper et méga sucrés. Donc voilà. On va voir ce que l'on a dedans aujourd'hui. Tout cas, ça me fait plaisir de revenir vers vous. Allez, c'est parti. On tire. Ça sent trop bon. Truc de fou. Alors voilà le burritos. Ça, comme la dernière fois, ça part pour aller dans le scrapbooking. Pas de perte à la maison. Oh, c'est trop choupi. Regardez déjà au niveau de la couverture, on a plein de smileys. Oh, ça c'est super. Et maintenant, on va découvrir notre baby. Oh, non, mais il est trop beau. Là, c'est la deuxième. Le deuxième côté de la couverture, donc toute sucrée. Alors là, il est méga sucré, mais regardez comme il est trop beau! C'est en organza sur le dos. Et ben, il y a des bons becs, une petite lune sur la cuisse arrière gauche. Moi, faut que je te regarde manger. Il est vraiment magnifique. C'est pour moi une tortue. Donc alors, je vais vous dire ce qu'il en est. Son nom, il est patati et patato. Tu peux Alors, voir de l'autre côté. où est-elle? Oh, la voilà. Donc, son nom. Son prénom. Ben, il n'y a rien de noté. Donc là, c'est moi qui dois. Ah, si, là. Tortolito. Elle est née le 23 mai. Ensuite, extra sweet, extra sucré. Donc là, c'est festival, quoi. Extra sweet, extra sucré. Donc on est. Ici au niveau de la sucrerie. Voici sa carte avec des petits cookies. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, il faut lui trouver un nom. On lui trouvera un nom en 126 jours. Vous n'avez qu'à mettre dans les commentaires comment vous voudriez que j'appelle cette petite tortue. Et elle a un sucremètre de points sucrés. Mais à fond les ballons. Mais en fait, je suis trop contente, quoi. Et donc, c'est extra sweet. Donc super sweet, c'est le plus sucré. Donc la dernière fois c'était so sweet. Donc Ninon avait eu la petite licorne Earthito. C'est bien ça. Et donc là, ben, j'ai eu la petite tortue. Donc toujours ce qui est agréable à l'intérieur. Anti-stress avec les petites boules tranquilles et tout. Sans compter les odeurs trop. Ah, j'adore. Là, une odeur de pâte sablée. C'est un truc de dingue. Voilà. Eh bien, j'espère que ma petite chérie vous plaira. En tout cas, on vous fait tous de gros bisous. Et n'oubliez pas le prénom en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un Oli Action. Bye bye!